Bonjour, je suis Joachim De Villiers, spécialiste produit chez Canon Belgique et je suis très heureux de vous annoncer aujourd'hui 4 nouveaux boîtiers dans notre gamme Reflex. Commençons par la EOS 750D qui sera un boîtier positionné au-dessus de l'EOS 100D et un frère pour lui qui est l'EOS 760D qui sera le remplaçant de notre gamme EOS 700D actuelle. En plus de ça, on annonce enfin un boîtier EOS 5DS et un EOS 5DS R pour résolution qui résideront juste en dessous de la gamme EOS 1DX. L'EOS 750D et l'EOS 760D ont été développés de la même façon. Ils sont tous les deux équipés d'un nouveau capteur CMOS de 24,2 millions de pixels format APS-C. Pour la photo, ils sont aussi dotés de 19 capteurs autofocus type cross-type, type croisé. Pour la vidéo, ils font l'usage, par exemple, du hybride CMOS AF dans sa troisième version, ce qui garantit un autofocus en vidéo toujours net et toujours bien fonctionnel en utilisant, par exemple, les autofocus du système STM. En plus de cela, notre EOS 750D et 760D sont équipés de NFC, Near Field Communication, ce qui permettra de faire tout de suite la communication avec, par exemple, notre station CS100, Camera Connect Station CS100, qui permettra de télécharger par Wi-Fi directement les photos stockées sur votre appareil et de les transférer, par exemple, vers votre smartphone ou vers votre téléviseur. L'EOS 750D est doté d'un écran tactile LCD, en plus orientable, Clearview 2. Sur le côté, il y a les connexions HDMI, AV-USB, microphone et commande à distance. De l'autre côté, l'appareil est doté d'une carte SD comme carte mémoire. En haut de l'appareil, nous reconnaîtrons la fameuse molette EOS avec tous les modes d'exposition, ainsi qu'un nouveau bouton pour changer facilement la zone autofocus et l'indication que l'appareil est doté de Wi-Fi. En bas de l'appareil, nous reconnaîtrons le signe NFC Near Field Communication permettant de connecter l'appareil ou par exemple toutes les applications Near Field NFC comme les smartphones et les caméras Canon Connect Station C100. Les 750D, 760D, 5DS et 5DSR arriveront encore avant l'été. Je suis très enthousiaste sur ces nouveaux produits et j'ai hâte, comme vous probablement, de les découvrir rapidement.